Toudoum. Il y a un truc très... un truc métallique comme ça, tu vois, qui est pas mal, qui est profond, là. Ça se met en place, on sent que les trucs, ils arrivent. Il a fait trois fois et il a raté trois fois. Hein? Lui, il a pas la télé. Il écoute la radio comme ça, il tourne le rond, le bouton, il tourne le rond, ouais, il cherche, il cherche. J'essaye de capter la France un peu. Moi en ce moment je regarde Murder. Moi je regarde Mindhunter en ce moment. Très bon Mindhunter, hein, produit par Fisher et tout. Moi je sais pas par qui c'est produit, tout ce que je sais c'est qu'ils s'entretuent et ils sont très très bizarres entre eux. Moi c'est ma fille, elle a 4 ans. Moi c'est ma mère, pour le contrôle parental. Elle a tout bloqué, tout ce qui est moins de 16 ans, je peux pas y accéder. Toi d'abord. Bah avec toi, je crois que tous les trucs de mecs qui se butent ou ils se comprennent pas, moi aussi j'aime bien, j'adhère, donc je crois que je vais... On va se mettre tous les deux si tu veux, j'ai regardé toutes tes merdes. Bon, t'es cool, alors je vais dire ce mot aussi avec toi. Avec la Nick. Personne. Personne, je vois pas qui. Je crois que Big Max, c'est Big Max. Hein? Tu peux pas, il voilà. Est parfait dedans, tu veux remplacer par qui? Merci mon ami. Question suivante, question suivante. Non mais on en a parlé il y a quelques temps ensemble avec Caris. Moi j'ai découvert Walking Dead. Lui je sais qu'il a vu les 10 saisons, il m'a dit je suis fan depuis le début. Ouais moi je les ai tous vus. Et du coup ouais, moi je les ai regardés un peu en retard et on les a bouffés là, les uns après les autres. Mais à la fin c'est compliqué à la fin. Parce qu'ils veulent pas expliquer pourquoi tu commens et ça commence à devenir difficile. Il me l'a spoilé putain. Ah je l'ai spoilé? Ah t'as pas vu quand l'autre il est... Non je rigole. Moi j'attends Viking, la suite. Je sais même pas s'il y aura une suite. Et j'attends The Witcher. À fond la caisse. Ouais, moi les suites, déjà je vais essayer de terminer ce que j'ai commencé avant de déjà les premières saisons. Puis il y en a tellement qui arrivent encore une fois. Là il y a Barbare aussi, j'ai envie de voir aussi. Ouais, j'ai commencé Barbare. Tu vois, c'est ça, on peut pas. Ah oui, toi en fait, il faut que tu termines. Non, non, moi je regarde plein en même temps. Moi. J'ai plein d'écrans comme ça. Ouais, et je regarde, trois, donc, je regarde comme ça. Je regarde comme ça, tu vois. Trois portables comme ça. Avec un casque, comme un caméléon. Les yeux d'un caméléon, tu vois, ils sont là et je regarde les deux en même temps, tu vois. Bronx. Bronx. Je l'ai déjà vu, il mériterait d'être vu par tout le monde. On l'a déjà vu, hein. Bah tu vois, moi, Carrie, j'étais incapable de répondre à cette question parce que je sais pas ce qui est sous-côté, en fait. Non, 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 je pense que les goûts, ça, les couleurs, tu peux pas dire sous-côté. Après, que j'ai regardé en cachette et que je vais le dire à personne. En fait, Emeline Paris, pas le choix, tu me l'as dit. Non, non, c'est faux. Non, je l'ai regardé, bah oui, attends. Non, je sais pas que j'ai... Non, mais c'est très bien, Emeline Paris. Non? Non, oui, si, c'est très bien, c'est très bien. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que la Casa del Papel, tout le monde en a parlé. Moi, j'ai pas accroché, en fait, du tout. Je trouvais les personnages un peu trop appuyés, quoi. Ça manquait un peu de naturel, de réserve. Exactement. Moi, je trouvais que ça surjouait, moi. Donc, j'ai regardé deux épisodes, et puis, voilà, malheureusement, désolé pour nos amis espagnols, j'ai pas continué, quoi. Bah, moi, je dis tout à l'heure, c'est Révolution. Série française sur la Révolution française, parce que moi j'aime bien moi les trucs historiques. Et donc il y a ça, il y a Viking qui a déjà commencé, que j'ai pas vu, je sais pas si je le verrai et tout ce qu'il y a. T'as pas vu Viking? Il a tout vu lui, tu peux rien dire, il a tout vu quoi. Viking c'est un grand classique. Je sais pas d'ailleurs lequel est le meilleur entre Viking et Game of Thrones. J'ai pas vu Game of Thrones. Non plus. Il y a quelqu'un qui a fait. Je sais pas qui, mais. Ouais, non, j'ai pas vu. Ma femme lundi ce matin, il faudrait quand même qu'on regarde. J'ai dit ouais, tout le monde en a parlé. Je suis en poirier moi. J'ai la tête à l'envers. Bah moi, une bonne bolée de cidre avec des crêpes. Voilà. Moi, des Kinder Pingouis. Family Business. Emily in Paris. Emily in Marseille. Emily in Quartier Nord. Un peu comme la série Les Martines, là. Ouais, exactement. Il y avait une série qui passait avant, enfin qui passait, on pouvait l'avoir en DVD, je pouvais passer, c'était The Shield. Je sais pas si vous vous rappelez cette série là. The Shield. C'était, bah ça me fait penser un peu aussi à Bronx, hein, tu vois. Ouais. C'est des flics, mais on est aussi beaucoup dans leur vie privée, etc. Et ça changeait vraiment du tout. C'était plus que des mecs qui défouraillaient à tout va, c'était des mecs qui se faisaient engueuler par leur femme quand ils rentraient à la maison le soir. Quoi.
Moi, ce serait Denzel Washington. Un biopic sur moi? Biopic, ça sous-entend que je suis mort, donc j'espère qu'il est pas encore né, celui qui va jouer mon rôle comme ça. On va repousser l'échéance un petit peu, les gars. C'est de la bombe. T'es trop fort, mec. C'est de la balle. Mec, il est bon en français, c'est... Trois mots, c'est de la bombe. Époustouflant, magique et solide.